L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au Nord Kivu et en Ituri, les deux provinces en état de siège, était évoquée au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il se met aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements. Donc, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Et je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Ituri au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieur de l'armée ainsi que d'autres autorités pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts, d'innocents, qu'on tue comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble, on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Au chapitre du développement de la RDC à partir de la base, le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse de croisière. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le programme des 145 territoires. Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va vraiment connaître, il va atteindre sa vitesse de croisière. Je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter parce qu'il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout de financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait que, ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement des travaux, parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état de siège en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance de photos, tour à tour, les sénateurs avec le président de la République.